Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Toutes mes félicitations. Fermez le banc. Il y a à peine un an, Fantômas terrorisait la population. Mais un Français ne désespère jamais. Il sait qu'au moment les plus critiques de son histoire, toujours s'est dressé le grand homme de la situation. Bayard, Bonaparte, Jeanne d'Arc. Oui, commissaire, il y a un an, vous risquiez votre vie. Sur terre, sur mer et dans les airs, à la poursuite de Fantômas. Un petit fonctionnaire, ne payant pas de mine, un Français moyen, banal, d'apparence insignifiante, se dresse brusquement devant l'ennemi et le boute jusqu'à sa tanière. C'est ça la France. Vive le commissaire Juve! Encore toutes mes félicitations, mon cher commissaire. Malgré l'émotion qui m'étrangle, je veux trouver la force d'associer à tant d'honneur le journaliste Fandor et son intrépide fiancé. Car, mademoiselle, votre poitrine est aussi digne que la mienne d'arborer cette décoration. Merci. Grâce à nous, depuis un an, Fantômas n'a pas reparu. Oui, cette union de la police et de la presse nous aura enfin permis de nous débarrasser définitivement de Fantômas. Excusez-moi, monsieur le commissaire, c'est urgent. Vous permettez, monsieur, c'est... Tenez-moi ça, vous. Pardon. Monsieur le professeur Marchand, bonjour. Fantômas ! Allez, gars ! Oh ! Veuillez avoir l'obligeance de m'accompagner. Ne frappez pas à la tête.
Amenez-le. Alors, ça recommence. Je te demande du nouveau et tu nous ressors Fantomas, c'est tout ce que tu trouves. Ben, c'est certainement lui qui a enlevé le professeur Marchand. Les témoignages sont formels. Au cours de cet enlèvement, personne n'a vu Fantomas. Oui, parce que tous ceux qui l'ont vu ont été tués. Ouais. On va encore m'accuser de semer la panique, de complexer la jeunesse et de démoraliser la police. Ah, je l'entends d'ici, le commissaire Jules. C'est un scandale. C'est un scandale. Et pourtant, croyez-le bien, c'est avec émotion que je viens flétrir ici des agissements d'un journaliste sans scrupules et propagateur de fausses nouvelles. Tenez ! Ce journaliste, auquel j'avais bien imprudemment rendu mon estime et ma confiance, n'a hélas pas changé. Ses procédés non plus. Il ne poursuit qu'un but, servir sa publicité et faire monter le tirage, tout en terrorisant les indigents. Voilà ! Vous êtes donc certain, monsieur le commissaire, que le professeur Marchand n'a pas été enlevé par Fantomas ? Mais j'en suis certain, et voici pourquoi ! Bah, y a plus de sang. Mais... Pas plus de sang. Écartez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Appelez la tour, coupez l'antenne. Fantomas. Oui, c'est bien moi. Fantomas. Oh mon Dieu, ça c'est formidable. Mon ami Fandor ne vous a pas menti. C'est bien moi qui ai enlevé le professeur Marchand. Eh ben, hein, qui avait raison? Grâce à lui, je vais pouvoir mettre au point une arme terrifiante. Je l'ai dont je vous réserve la surprise. Encore un peu de patience. Je vais être bientôt le maître du monde. Rétablissez l'image, vite! Mettez-vous la avez-vous fait la c'est pas vrai. Est-ce que c'est drôle? Terrible. Monsieur le commissaire, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et au nom du président de la République, je vous nomme commandeur dans l'ordre des gens foutres. J'ai surtout pas eu de chance. Oh, si, vous avez eu de la chance, et même beaucoup de chance, d'être décoré avant cet interlude télévisé. C'est... Quoi, qu'est-ce que vous dites? C'est un signe par Rosette. Si ce ruban est indigne, moi, de conserver, puis ici, sans déchute, je me serais déchoir. Ah, je vous en prie, monsieur le commissaire. Ce que je vous demande, c'est de vous montrer digne de la confiance que l'on a mise en vous. Le destin de l'humanité peut être en jeu. Manquons de crédit. À une époque où pour Fantomas, la tête d'un savant est plus précieuse que tout l'or du monde, votre devoir est de nous prouver qu'à la tête de notre police, le cerveau d'un commissaire vaut plus que des milliards. Vous en avez un? Alors sachez vous en servir et révisez vos méthodes. Il faut réviser vos méthodes. C'est fini la belle époque du petit hold-up hebdomadaire et des gorilles de papa. Hein? Il va falloir faire travailler un peu ça. Vous avez un cerveau, alors sachez vous en servir. Hein? De quoi auriez-vous l'air si Fantomas était arrêté par un 0-0 quelconque? Hein? De quoi auriez-vous l'air? Ben moi je vais vous le dire, vous auriez l'air de gens foutre. De gens foutre. Voilà de quoi vous auriez l'air. Qu'est-ce que c'est que ça? Viens pour le briefing. Vous êtes en retard, les grilles, fermez-moi voir. Les grands déploiements de forces spectaculaires qui ne font qu'effaroucher l'adversaire sont démodés. Nous sommes à l'époque des agences secrètes et des gadgets. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, vous? Non, c'est moi qui voulais savoir ce que c'était que les gadgets. Un gadget! Le gadget est une petite invention secrète destinée à surprendre l'adversaire. Vous n'allez donc jamais au cinéma, non? Non, bah alors ça va. Alors, démonstration, attendez-moi là. Bertrand, menacez-moi de votre arme.
Ah non, j'oserais jamais, monsieur le commissaire. C'est un ordre, menacez-moi. Ça me fait tout drôle. Allez, voilà. Ah, ça alors. C'est extraordinaire. C'est ça, un gadget. En réalité, vous seriez déjà mort. Ah, oui, je comprends. Non, vous n'avez rien compris du tout. Allez vous asseoir. Explication. Projection. Cette gabardine gadget est tout simplement munie d'un faux bras et d'une main postiche. Écoutez là-bas. Oui, oui. Le mouvement fait pour lever une main en l'air imprime au faux bras et à la fausse main le même mouvement de bas en haut. On se retrouve donc apparemment les mains en l'air à la merci de l'ennemi. Mais soudain, à la hauteur du ventre, surgit par l'ouverture de la gabardine la deuxième vraie main qui rend le coup de feu libérateur. Vous m'avez bien compris. Vous, là, enlevez-moi la gabardine. Vite. Et voici pour ceux qui ont l'esprit un peu lent. Eh oh ! Pour ceux qui ont l'esprit un peu lent, une explication plus détaillée sur le fonctionnement de cet appareil. Regardez bien. Voilà. 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 Regardez bien derrière. Voilà. En arrière. En avant. Vous avez compris? C'est bien clair dans votre esprit? Bon, alors ça va. C'est vraiment nouveau. Et voilà. Donc, merci, merci. Oui, bien sûr. Et maintenant, voici le deuxième gadget également de mon invention. Ah, ça, c'est un sous-marin de poche. Mais non, idiot, c'est une fusée. Non, c'est un cigare. Un cigare? Un cigare pistolet. Je ne me sépare jamais de mes cigares pistolets. Là, vous avez le tabac. Là, vous avez la poudre. Là, vous avez le mécanisme d'horlogerie et de mise à feu. Selon réglage par la bague du cigare, le coup de feu part 15 à 20 secondes après l'allumage. Et en cas d'urgence, en mordant le bout du cigare, le coup part immédiatement. Démonstration, Bertrand Léger. Vous allez voir comment on peut, les mains derrière le dos, tout en fumant négligemment, se débarrasser d'un adversaire qui vous tient sous la menace de son arme. Bon, Bertrand, donnez-moi du feu. Regardez. Il est chiant. Je règle à 15 secondes. Hop, attendez. 15 secondes. Alors. Maintenant, nous comptons. 1, entrez où, malheureux. Attendez, ah, ça doit faire 7, 8, 1. Ah, mais je vous manquais de calme et de sang-froid, hein. Allez-vous asseoir, vous. Allez-vous asseoir. Non, mais dites donc. Je veux une police au relax. Vous entendez, relax. Regardez, pas. Pourquoi? Une police relax, le contrôle du physique par le moral. C'est la psychosomatique. Là, que vous observez, restez relax. Vous observez là, comme ça. Relax, quand même, relax, relax. Vous observez comme ça. Relax, restez relax. Relax, 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 restez relax. Il me reste à remercier monsieur le professeur Lefebvre d'avoir bien voulu se rendre à cette conférence de presse. Monsieur le professeur, puis-je vous demander maintenant de bien vouloir répondre aux questions qui vont vous être posées? Bien volontiers, bien volontiers. Quelqu'un demande la parole? Je vous en prie. Si j'ai bien compris, monsieur le professeur, vos travaux étaient complémentaires de ceux du professeur Marchand. En effet. En marge de beaucoup de travaux scientifiques, nous sommes, le professeur Marchand et moi, deux spécialistes reconnus de l'hypnose. Nos travaux communs ont pour but de réaliser un appareil susceptible de projeter un rayon télépathique destiné à contrôler la pensée et à envoyer des ordres à distance. Si vous y parveniez, vous pourriez faire de n'importe qui un robot à vos ordres. Oui, c'est évident. Mais rassurez-vous, nous n'avons que de bonnes intentions. Mais celle de Fantomas. Oui, c'est certain. Lui, avec une telle arme,
pourrait devenir vraiment le maître du monde. Ne vous inquiétez pas. Le professeur Marchand, sans les résultats de mes expériences en cours, ne pourra pas aboutir. Putain. Moi, j'ai l'impression que Fantomas va pas tarder à l'enlever, celui-là. Ça serait terrible. Oh, ça serait merveilleux, oui. Quoi? Ah, chérie, tu viens de me donner une idée extraordinaire. Il faut provoquer Fantomas. Mais comment? Fais-moi confiance. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et entrez donc. Je vous ai déjà vu quelque part. Je vous connais, je sais. Oh, je n'ai pas la mémoire des noms. Professeur Lefèvre. Non, le professeur Lefèvre, c'est moi. Ce sera moi aussi. Si vous le voulez bien. Ah, comment Venez voir vous-même. Venez. Voyez. Est-ce assez ressemblant, monsieur le professeur? C'est extraordinaire. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Voilà. Oh, voilà. Oh. Et voilà, professeur. C'est tout à fait remarquable. Mais ne vous formalisez pas, jeune homme. Ce genre de plaisanterie ne m'amuse plus beaucoup. Je ne me permettrai pas de plaisanter avec vous, monsieur le professeur. Tout ceci n'est qu'un moyen de vous éviter des ennuis et peut-être de sauvegarder la paix du monde. La paix du monde? Voulez-vous que nous parlions de ça dans mon bureau? Non, mais vous vous rendez compte que vous me faites endosser une énorme responsabilité? Oui, mais c'est le seul moyen. Non, si j'ai bien compris, vous voulez que Fantomas, croyant enlever le professeur Lefèvre, tombe sur Fandor. Exactement. C'est ça. Parce que lui, il saura se défendre. Oui, Fantomas sera pris au piège. Voilà. C'est une excellente idée, Hélène. Vous permettez que je vous appelle Hélène? Je vous en prie. Il faut que j'en parle tout de suite au commissaire Juve. Ah non! Pourquoi? Surtout pas! Mais pourquoi? Bah comme l'idée n'est pas de lui, il va automatiquement la refuser, ça. Bon, vous croyez? Enfin. Et puis, ce sera notre secret. Notre secret? Et avec un homme comme vous, ça ne peut pas rater! C'est vrai, ça. Comme vous le voyez, Fantomas n'est plus le seul à pouvoir se composer un visage. Et ça m'amuse de le provoquer avec ses propres armes. Laissez-moi prendre votre place dans le rapide de Rome. Pourquoi? Le professeur Marchand, vous me l'avez dit vous-même, ne peut être sans vous d'aucune utilité à Fantomas. Et il est donc certain que Fantomas tentera l'impossible pour vous enlever. Oh, ça va être follement drôle. Ah non, croyez-moi, je le connais. Non, laissez-moi prendre votre place. Les risques, c'est mon métier. Je servirai d'appât. Et si, comme nous l'espérons, Fantomas tombe dans notre piège, nous aurons toutes les chances de l'arrêter.
Attendez un peu, Galopin. Ah, vous serez renvoyé, hein, attendez. Qu'est-ce que c'est, François Thomas? Mais c'est Michu. Mais comment tu l'as fait? Il était grimpé sur les épaules de Jacques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Renvoyé. Encore renvoyé, tu te rends compte? Bah lui aussi le renvoyé. Ah, avoir un frère comme ça, c'est une vraie calamité. Oh, mais j'ai quand même été deuxième en gymnastique. Allez, mon. Oh. Et nous partons demain pour Rome. Et si je le fais à la maison, il va faire sauter tout le quartier. Eh ben, emmenons-le à Rome. Oh, et puis encore quoi? Les voyages forment la jeunesse. Pas Michou. Messieurs, il est certain que Fantômas va profiter de ce congrès scientifique de Rome pour lancer sa grande offensive. Mais quel sera son but? Hein? Avant tout, enlever le professeur Lefebvre. Mais quelle sera notre mission? Surveiller le professeur Lefebvre. Alors dès que Fantômas surgira pour l'enlever, nous n'aurons plus qu'à l'arrêter. Mais rappelez-vous les ruses dont fut capable ce monstre. Vous allez voir. Projection. Souvenez-vous qu'il y a un an, grâce à des masques dont nous possédons aujourd'hui le secret, Fantômas parvint à perpétrer ses forfaits, non seulement sous les traits du journaliste Fandor, que vous voyez ici, mais aussi avec mon visage. Et vous voyez, on pourrait croire que c'est moi. Comme vous le savez, messieurs, le professeur Lefebvre doit prendre ce soir le rapide pour Rome. Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui. Qui est qui? Vous n'avez pas contrôlé qui est qui. Quoi, qui est qui? Bah quoi, qui est qui, quoi? Est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît, monsieur? Merci. Défendeur notre journaliste. Hein? Défendeur notre journaliste. Ah, il n'a pas quitté son compartiment, il tape à la machine. Surveillez le Lefebvre, je me change. Qu'est-ce que vous dites? Surveillez le Lefebvre, pendant que je me change. Permesso, permesso, de vous. Arrivederci, bon appétit. Bien, tout comme prévu. Le savant occupe la voiture 27, compartiment 33. Continuez surveillance. Voici vos instructions pour Rome. Monsieur
Deuxième service. 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 Oh, c'est merveilleux. Fantomas ne va pas tarder à me faire enlever seulement moi. Là, j'étouffe là-dessous. Oh, oh là là, quelle horreur. Oh, restez là, attendez-moi. Deuxième service. Deuxième service. Deuxième service. Deuxième service. T'es mignon, vieillard, écoute. Oh, maintenant, je sais que je ne te quitterai jamais. Ah oui. Oh, oui. Deuxième service. Oh. Oh. Ça, alors. Oh, c'est vraiment l'amour. Quoi? Bah, maintenant, quand je t'embrasse, j'entends des clochettes. Oh là 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 là. Quoi, donc, monsieur le commissaire? Les femmes, les femmes. Vous êtes marié, vous? Ah oui. Bon, et dites donc, les enfants, c'est très joli de jouer les alibis, mais je ne vis pas que d'amour et d'enfrage. Quand est-ce qu'on va dîner? D'accord. Viens m'aider à me faire une beauté. Toi, rejoins-nous par le couloir. Ok. Mes appareils. Venez. Deuxième service. Deuxième service. Deuxième service. Deuxième service. Messieurs, dames, cette table. Deuxième service. Deuxième service. Deuxième service. Vous deux, allez surveiller la voiture, résulte, vite. Bien joué. Deuxième service. Deuxième service. Allez, ouvrez. Vous allez le réveiller, les savants, ça se couche tôt. Ouvrez. Mais on n'a pas le droit. Ouvrez. Mais je... La ferme, ouvrez. Là, finis de nom. Hé. Deuxième service. Ah. Ah. Disparu. Le professeur a disparu. Envolé. Enlevé par la tête d'un fantôme. Fantomas. Il est peut-être tombé, vous savez. Non, mais si, Fantomas, c'est dans le train. Il est au-dessus, en dessous, le couloir, il est dans le train. Là, monsieur le commissaire. Hélas, je vais tout vous avouer. Mais attendez, mais j'y suis. J'y suis. Fandor occupe le compartiment voisin communicant. Donc oui. C'est Fandor qui a fait enlever le professeur. Donc Fandor n'est pas Fandor. Non, monsieur le commissaire. Mais évidemment, Fandor n'est pas Fandor. Mais si, mais si. Mais non, mais dites-vous, vous êtes obtus. Mais... Fandor, c'est Fantomas. Et Fantomas s'est refait la tête de Fandor. Et comme l'année dernière, il porte un masque, le masque de Fandor. Et en ce moment, pendant que nous parlons, il est au wagon restaurant, il le bouffe. Mais il bouffe. Mais non. Oh, mais, monsieur le commissaire, laissez-moi vous expliquer. Non. Mais laissez-moi en placer une. Le professeur le fait. Oui. Eh ben, c'est Fandor. Non, Fandor et Fantomas, c'est Fandor. Attention, hein. Oui, arrêtez-le. Fantomas, c'est Fantomas. Arrêtez-le. C'est... Faites que personne ne descende, c'est Fantomas. Pardon, excusez-moi. Non, non.
Arrêtez-le, c'est pas Thomas. Pour tout le monde, arrêtez-le, c'est pas Thomas. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que lui prend au commissaire? Pas Thomas. Arrêtez-le, c'est pas ton masque. Cette fois, ça ne prend pas pour ton masque. Tu veux dire masque? Prends ton masque. Donne-moi ton masque. Mais voyons, Hélène. Quoi? T'as pas reconnu le commissaire Jules? Чьи это туфли? Мои ботинки там! Что за работу вы делаете здесь в гостинице? Сейчас пойду позвоню вашему директору! Лопиш, Боф. Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je cherche pour voir si on n'aurait pas caché le micro dans la chambre du professeur Lefebvre. Quel professeur Lefebvre? Fandor. Ah! Où est Bertrand? Sous le lit. Ah! Vous êtes là? Je suis l'âme. Alors? Il n'y a pas de micro sous le lit, monsieur le commissaire. Ne m'appelez pas, monsieur le commissaire. Jamais ce mot-là ici. Enfin, les policiers de l'Interpol occupent les chambres voisines pour protéger les savants. Et pour eux, je suis ici un pénitent. Je n'y suis rien. Il n'y a pas de commissaire. Alors? Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de commissaire, il n'y a rien. Voilà. Alors, où est Fandor? Dans la salle de bain. Il est prêt? Presque. Il est presque prêt. Alors, comment ça va? Hein? Le temps de mettre ma moustache, j'ai encore quelques rides, mes lunettes, et je suis à vous. Oh, c'est parfait. Mais vous vous rendez compte, si dans le train, vous m'aviez tout de suite mis dans la confidence, hein? Nous aurions pu mettre votre idée vraiment au point, et nous aurions peut-être déjà arrêté Fantomas. Grâce à vous, monsieur le commissaire, nous allons enfin faire du bon travail. Eh bien alors, maintenant, il s'agit de provoquer Fantomas. Et moi, je vous surveille. Alors, n'oubliez pas, rendez-vous à 11h pour visiter les monuments de Rome. Thank you.
de rien et nous sommes ici incognito. Dites-moi, quel est le but de Fantomas? Enlever le professeur Lefebvre. Et où est le professeur Lefebvre? Il est à Paris. Non, il est devant vous, c'est Fandor. Fandor alias le professeur Lefebvre. Ah, oui, monsieur le commissaire, oui. Non, m'appelez pas monsieur le commissaire, appelez-moi mon père. Hein? Ah, mon père, vous êtes mon vicaire, moi je suis mon père. Alors, actuellement, le professeur Lefebvre, Fandor, fait la chèvre. La chèvre? Il fait la chèvre, il sert de chèvre, il sert d'appât. Ah. Alors, quand Fantomas se manifestera, il sautera sur le professeur Lefebvre, sur le professeur Lefebvre, et nous lui tomberons dessus. T'as compris? Bien, mon père. Non. Ah oui, c'est vrai. Regardez. Surveillons bien, Fandor. Non, mais... Dites donc! Enfin! Reverendo! Hein? Oui? Oui, c'est le bambino da Battaglia. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, d'accord, je crois comprendre qu'ils veulent qu'on le baptise. Le baptise? Oui. Bonjour, Seigneur. Permettez que je vous aide. Merci, jeune homme. À votre service, monsieur. Monsieur le professeur Lefebvre, une déclaration pour la télévision, s'il vous plaît, monsieur. Non, non, aucune déclaration. Vous ne pouvez pas refuser, quelques mots seulement. Mais n'insistez pas. Viens, viens, ragazzi, largo, largo, lasciatemi passare. Viens, viens, viens. Croyez-vous aux soucoupes volantes? Mais évidemment, je suis même convaincu que nous sommes entourés de martiens. Mais est-ce que vous pensez que les soucoupes volantes... Il va me faire passer pour un imbécile. Mais pourquoi ne se manifeste-t-il pas plus souvent? Eh bien, parce que je pense qu'ils ont peur des journalistes. Ah, c'est pas possible. Alors, vous croyez réellement que la vie est... Oh, ça, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Qu'il y ait des êtres vivants sur d'autres planètes. J'y vais. C'est la photographe du professeur. Gerbert, mademoiselle, les photographes ne sont pas admis dans la salle. Oh, et la liberté de la presse, alors? Mais il ne s'agit pas de politique, mademoiselle, c'est un congrès scientifique. Mais il faut absolument que je rentre. Je regrette. Mesdames et messieurs, il me semble que nous sommes au complet maintenant et que nous pouvons commencer. Et veuillez gagner vos places, s'il vous plaît. Permettez-moi, monsieur le professeur. Je suis heureux de pouvoir saluer notre cher collègue, le professeur Lefebvre. Monsieur le président, excuse mon coup de mon retard et de mon extinction de voix. Le train, j'ai pris froid dans le chemin de fer. Oh, je suis désolé. Mon secrétaire. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre tout d'abord un chaleureux hommage à notre malheureux confrère, le professeur Marchand. Odieusement enlevé par Fantomas. Je déclare ouvert
le 14e congrès scientifique international. Vous demandez la parole. Mes chers confrères, je suis fier de constater que nous sommes à nouveau réunis en ces lieux pour exposer nos idées et faire le point sur les résultats de nos recherches d'une année pour les progrès de la science. Et je vous remercie d'être venus si nombreux à ces congrès et d'avoir compris l'importance de cette réunion. Les résultats de nos travaux sont tellement concluants que je propose de nous réunir désormais tous les ans. C'est très simple. Vous attirez le professeur Lefebvre hors de la salle du congrès. Vous l'enlevez et je prends sa place. Ainsi, personne ne s'inquiétera de son absence. Le vrai professeur Lefebvre sera entre nos mains. Et je pourrai subtiliser les documents en toute tranquillité. Messieurs et mesdames, nous connaissons les vraies possibilités de la science et nous devons, par un accord international, conduire une lutte commune contre le monstre. Alors, vous savez tous ce que vous avez à faire. Et c'est toi qui préviendras le professeur Lefebvre qu'on le demande au téléphone. Oui. Rapido di Parigi al marciapiede terzo. Rapido in provenance de Paris, arrivé quai numéro 3. Viaggiatori in arrivo con treno straordinario da Milano. Trovano coincidenza con treno direttissimo per Napoli, Reggio Calabria, Sicilia al marciapiede 7. Martien. Oh, ah, ça, je vais leur en donner des martiens. Taxi, taxi. Monsieur le Président, je demande la parole. Je vous en prie. Merci. Pour ma part, mes chers confrères, j'estime que l'épouvantail Fantômas ne doit pas troubler notre sérénité. Je suis tout à fait d'accord avec l'opinion. Je vous demande au téléphone, monsieur le professeur. Le professeur. C'est un appel de New York. Et j'estime, mes chers collègues, que nous devons, certes, faire tous nos efforts pour que Fantômas ne mette pas en péril d'autres savants à l'avenir. Mais il me semble que nous ne devons pas, nous-mêmes, prendre l'initiative dans une affaire qui est strictement du ressort de la police. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'approuver ma thèse. Et nous ne devons plus perdre de temps à nous occuper d'autres questions que des questions scientifiques. Pas d'objection. Je propose donc, messieurs, de passer à l'ordre du jour. Par ici, s'il vous plaît. Vous serez mieux là pour téléphoner, monsieur le professeur.
Comme vous le voyez, monsieur le professeur, toute résistance est inutile. Veuillez suivre ces messieurs. Rattrapez-le. Vous attendez. Arrêtez-moi cet homme sans ménagement. Vous voyez bien que ce n'est pas le professeur Lefebvre. Je demande la parole. La parole est au professeur Schmidt. Oh, monsieur, Fantômas, Fantômas, monsieur, Fantômas, oh, Fantômas, il a pris mon visage, il est là, il est là, il est bien. Arrêtez-le, monsieur Fantômas, il est Fantômas, c'est lui. Non, c'est pas des Fantômas. Il congresso non finisce prima delle 5. Bien. T'ha connu? Monte, monte! Ma cosa aveva il professor Lefebvre? Perché è andato via di corsa? E cette voiture? A chi è cette voiture? A Fantômas. Oh, écoute, te fiche pas de moi! Et puis pourquoi prends-tu cette voix pour me parler? Mais parce que je suis Fantômas. Mais c'est pas d'ordre, c'est encore loin, le congrès? Non, ci arriviamo, signore. C'est ici. Fantômas, je t'aurai, Fantômas! Ah! Le voilà! C'est lui! C'est Fantômas! C'est Fantômas! Je tiens à toi! C'est moi! La cour! Via, basta! Andiamo! Ah! Avanti! Monsieur, je vous la bête! Messieurs, le taxi emporte ma valise. Il emporte ma valise, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est un vrai professeur Lefebvre. On l'enlève, vous voyez pourquoi on l'enlève. Andiamo. Calmo. Aïe. Che cos'è questo? Ci sta prendendo in giro. Ma che cos'è questo? Ci prende in giro. Ci sta prendendo in giro, ma in giro. Ma cos'è questo? Sì, ma cosa vuole? Ma che cosa vuole? Andiamo, presto, andiamo. Ci prende in giro, ma non lo lei vedi? Vuole scherzare, davvero vuole scherzare. Sì, che cosa vuole? Ma che cosa vuole? Che cos'è questo? Andiamo, presto, via, andiamo. Andiamo, vieni. Allora,
Le premier faux professeur Lefebvre était le journaliste Fandor. Bon, le vrai professeur était resté à Paris, on n'en parle plus. Quand le deuxième faux professeur Lefebvre est arrivé, on pouvait croire que c'était le vrai. Mais pas du tout. Et c'était pas lui. C'était Fantomas, enfin bon sang. Bien sûr. Alors... Excusez-moi, monsieur. Oui, je vous en prie. Alors, à ce moment-là, tout se déclenche. Le deuxième faux professeur Lefebvre, donc Fantomas, se jette sur le premier faux professeur Lefebvre, donc le journaliste, et c'est la bagarre. Oui, oui, la bagarre. Je suis poursuivi. Soudain, je me retourne et j'abats deux tueurs avec ma troisième main. Avec votre troisième main? Oui, ma main qui est sur le ventre. Ben, évidemment, sa troisième main. Ah oui. Mais écoutez, ne compliquez pas les choses parce que... Excusez-moi. Oui, je vous en prie, docteur. Excusez-moi. Je vous en prie, docteur, je vous en prie. Et c'est à ce moment-là que je me suis donné un coup sur la tête. Un coup sur la tête? Tiens, tiens. Et je vois trois professeurs Lefebvre. Le vrai venait d'arriver. Mais moi, croyant sauter sur Fantomas, j'avais sauté sur Lefebvre. Vous me suivez? Oui, 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 oui. Je me le demande. Alors, je poursuis le troisième docteur. Qu'est-ce que ça? Non, je poursuis le troisième, ça... je poursuis Fantomas. Bon, alors, je saute enfin sur le vrai professeur, croyant que c'était le faux, mais c'était vraiment le vrai. Et tout s'explique. Et voilà comment, à Rome, en Italie, le premier policier de France se retrouve chez les fous. Victime de devoir. Monsieur le professeur. Monsieur le commissaire, je suis confusionné. Moi, tous les renseignements me prouvent que ce monsieur, il est vraiment le premier policier de France. Maladroit que vous êtes. Oh, monsieur le professeur. Ah, si. Écoutez... Ma voiture est à votre disposition. Oh, si, elle vous attend devant la porte. Oh, et mon chauffeur va vous raccompagner. Monsieur le professeur. Si. Non, il dit là. Il dit quoi? Prego. Prego. Non. Il dit oui. Voilà. Je vous en prie d'assurer. Ah! Je suis le commissaire Jules! Appelez l'inspecteur Bertrand! Je suis le commissaire Jules! Eh bien, quel travail pour arriver à leur faire comprendre qui vous étiez. Non, mais vous vous rendez compte, moi, le premier policier de France, passé pour un fou. C'est les journalistes qui apprenaient ça. Oh, monsieur le commissaire. Dites, monsieur le commissaire, vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Maintenant, il faut choisir. Avec moi, tout est simple. Qu'il vous suffit de me répondre par oui ou par non. Si vous acceptez ma proposition, vous retrouverez votre frère en parfaite santé. Pourquoi ce chantage? Pourquoi tout ce mal? Où est le mal? Où est le bien? Pour moi, le bien, c'est ce que je veux, ce que je désire. Vous êtes libre. Mais vous ne parlerez à personne de ce que vous savez maintenant. La vie de votre frère et de vos amis dépend de votre silence. Réfléchissez. Allez, hop, installez-vous, prenez de quoi écrire. J'entends rien. Mais dites, vous êtes sûr de votre installation? Vous pouvez me faire confiance, non? Deux micros. J'entends rien. Ah, deux. Elle arrive. Elle marche. Hop. Là, je sais pas. Thank you.
remue de l'eau. Fais couler un bain, remue de l'eau, je sais pas. Entrez. On vient d'apporter cela pour vous, mademoiselle. Pour moi? Oui. Vous êtes sûre? Oui, mademoiselle. Bon, posez ça sur le lit, s'il vous plaît. Posez ça sur le lit. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Elle déballe. Mais qu'est-ce que c'est? On peut pas savoir, c'est encore enveloppé. Alors elle déballe. Qui est là? C'est moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où étais-tu? Mais qu'est-ce qui te prend? Alors comme ça, je ne peux pas sortir 5 minutes, ça. Cinq minutes, mais il y a une heure que je te cherche dans toute la ville. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il s'engueule. Oh, qu'est-ce qu'il s'engueule? Mais d'où viens-tu? Et où est Michou? Ah oui, Michou, justement, je l'ai confié à des amis qui remontaient à Paris. Oui, Michou. Ben, je sais pas. Ouais. Oui, ben il est à Paris, notez-le, il est à Paris, chez des amis à Paris. Oui, alors il s'engueule tout le temps. Oh là là, qu'est-ce qu'il s'engueule? Mais dis donc, ça suffit? On n'est pas encore mariés, j'ai pas de compte à te rendre, hein. Et puis tu m'énerves, va-t'en. Il se passe quelque chose. Dites-moi. Mais tu n'es pas dans ton état normal. Elle est bizarre, cette femme. Fiche-moi la paix, va-t'en. Où étais-tu cet après-midi? Écoute, si tu voulais le savoir, tu n'avais qu'à me faire suivre par ton crétin, ton abruti de commissaire Juve. Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quelque chose. Quoi? Ça vous regarde, non? Alors, viens avec moi. Ah, puis j'en ai assez, je m'en vais. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mais le comportement de votre fiancé est plutôt bizarre. Étrange, en effet. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Invitation. Le marquis de Rostelli. Oh, c'est bizarre, ça, très bizarre. Bizarre. Plus d'initiative. À partir de maintenant, c'est moi qui prendrai la direction des opérations. Merci, Hélène, d'être venue.
Tout est prêt. T'es prêt? M'avez-vous trahi, Hélène? Je vous jure que non. Ah, que m'importe d'ailleurs. Je savais que vous parleriez. Ou que vous seriez suivi. Cela faisait partie de mon plan. Vos amis sont ici, pris au piège. Et vous ne pouvez plus rien pour eux. Mais vous dormez? Que d'un œil, que d'un œil. Qu'est-ce que vous attendez qu'il l'enlève? Tout est prévu cette fois-ci, il est cuit. Alors, dès que nous serons partis, avec l'orchestre, organisez la farandole. Et bien après? Prenez-le par la main et faites-le rentrer dans la farandole. Oui, bien sûr. Suivez-moi, suivez-moi. Attention, c'est le moment. On va le coincer dans la farandole. Et bien compris, vous? Eh bien, mais qu'est-ce que vous faites? C'est l'Interpol, c'est l'Interpol. Encercler et le prendre par la main. Hein? D'accord. L'Interpol est électrocuté. Oh, mon chéri, mon amour. Oh, non, non, mon chéri, j'ai pas le mal en filant. Allez, vite. Allez, vite, allez, vite, 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 vite.
qui nous arrive. Bertrand ! Bertrand ! Bertrand ! Aïe ! Dites donc ! Oh, excusez-moi, monsieur le commissaire, je rêvais qu'on me donnait une gifle. Regardez. Hein ? Regardez. 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 Nous avons été drogués. Nous avons été drogués. Nous sommes dans de beaux draps. Nous sommes certainement chez Fort Thomas. Merci, je l'ignorais. Mais enfin ! Michou aussi doit être prisonnier ici. Michou ? Fort Thomas l'avait enlevé. Je ne peux pas te le dire. Il l'aurait tué. Alors que maintenant, tout va très bien pour lui, pour vous, pour moi, pour tout le monde, quoi ? Je vous en prie, monsieur le commissaire, ce n'est pas le moment. Il faut essayer de sortir d'ici ! Alors comment faire ? Essayons toujours ça. Goûtez ça, vous. Vous n'avez pas soif, moi. Non, mais goûtez-moi ça, c'est bon, goûtez ça. Très bon, ça. Ah, bah, donnez-moi ça, là. Excellent. Tant mieux. Bon, alors, on va voir ça, maintenant. Oui. Non, non, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont des téléviseurs. Je le vois, enfin. Oh, ça, qu'est-ce que c'est, ça? Bonjour, mes amis. Je suis à vous dans quelques minutes. Une fenêtre. Oui, en effet. Nous devons être dans un blocus en haute montagne. J'ai les oreilles qui bourdonnent. Des requins. Ah, c'est extraordinaire, hein. Tout ce qu'on peut en conclure, c'est que la sortie est sûrement par en haut. J'espère que vous vous plaisez chez moi, mes amis. Oui, j'ai fait construire ma demeure sur le versant immergé d'un volcan, à l'emplacement d'une cité détruite. Je pense que votre nature romanesque sera comblée, ma chère Hélène. Il me fallait ce calme et ce silence pour poursuivre en paix mes expériences. Je vais d'ailleurs, messieurs, avoir besoin de votre collaboration. Ayez l'obligeance de bien vouloir suivre mes assistants. Allez, avance! Calmez-vous, ma chère Hélène. Songez que vous allez bientôt revoir votre frère. Je n'ai qu'une parole.
ça va pas, non? Hélène, la vie de votre frère et de vos amis ne dépend plus que de vous. Pourquoi cette cruauté? De la cruauté. Il ne s'agit que de recherches scientifiques. Une expérience dont je rêve depuis longtemps. Messieurs, vous vous retrouvez en bonne compagnie. Le professeur Lefebvre vient de rejoindre ici le professeur Marchand. Sous ses coupoles travaille maintenant, sous mes ordres, l'élite de la science mondiale. Vous savez que l'on peut de nos jours faire vivre la tête d'un animal séparé de son corps. Eh bien, j'ai décidé de pratiquer cette expérience sur des corps humains. Vous allez vivre des minutes extraordinaires. Et si ce grand jour doit être pour vous le dernier, vous partirez au moins avec la consolation d'avoir été les pionniers d'une science nouvelle. Patience. Je suis à vous dans un instant. Oh là là. Imaginez ces têtes sans corps nous confiant leurs impressions et leur état d'âme. Ah. Quelle horreur. Vous pouvez arrêter cette expérience. Comment? Depuis la disparition de Lady Beltham, j'ai besoin d'une présence. J'aimerais que vous soyez cette présence et que vous veniez à moi de votre plein gré. Je vous laisse à vos méditations. Le temps d'aller chercher votre frère et de vous prouver que je tiens toujours mes promesses. Vous impatientez pas, le patron va pas tarder. Dites donc, mon brave. Quoi? Votre visage prouve que vous avez du cœur. Ta gueule! Mais c'est une question de sympathie, hein? De télépathie. Ça va, hein? Vous n'allez tout de même pas refuser à une future victime de la science son dernier cigare! On te fera même monter du champagne. Et des danseuses. Et ce sont mes cigares à moi. Ils sont dans cette poche-là, ils sont là, dans son étui. Enfin, un bon mouvement. Hein? Allez. Voilà, il y en a un pour vous, prenez-en. Un pour vous, et un pour lui, puis un pour moi. Hein? Je les ai réglés à 19 secondes. Vous êtes tout pâle. Et lui aussi, regardez-vous. Bien en face, regardez-vous, regardez. Le garde. Lui, il a marché. Il a marché de lui. Allez, venez, venez. Allons vite les détacher. Nous allons pouvoir nous libérer avec eux. On est tombé. Allons-nous prêter. Ah, oh, ah, merci. Encore ça. Oh. Ah, mon brave garçon, pas d'anticipation. Hein. Nous n'avons pas perdu notre temps. En secret, nous avons mis au point un appareil d'ondes télépathiques. Malheureusement, pour l'instant, notre appareil ne porte qu'à 14,50 m. Au point où nous en sommes, c'est déjà mieux que rien. Très au point. Parfaitement au point. Nous avons beaucoup travaillé. Tenez, regardez. Approche. Approche, plus vite. Plus vite. Là. Donne ton arme. Gentiment. Allons. Allons, avance. Monte là. Allons, monte là. Ferme les yeux et dors.
Oh, c'est extraordinaire. Voilà. Bon, maintenant, il faut aller immédiatement délivrer... Annonce. Ah oui, annonce. Allons-y, vite, vite. Alors, Hélène, quelle est votre décision? Baissez vos armes. Grâce aux travaux que tu nous as imposés, Fort Thomas, nous avons mis au point, en secret, une arme contre laquelle tu ne peux rien. Nous allons l'utiliser contre toi. Regarde. Avancez, mes amis. Avancez. Lâchez vos armes. Sortez. Plus vite. Plus vite. Allez, allez, allez.
n'arrivera jamais. Reprenez-vous. On va couper.
Je te retrouverai, Fantomas, je te retrouverai. Et tu seras puni. Ah, Fantomas, je te retrouverai, tu seras puni, hein. Ah, ah.